J'ai dit au nom de Jésus. Alléluia. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi. En vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un précepteur. Alléluia. Pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur. Verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Alléluia. Verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Parole du Seigneur. Amen. Vous savez, cette portion d'écriture a causé beaucoup de tort dans nos ensembles. Beaucoup d'interprétations, même ça cause jusqu'à aujourd'hui beaucoup de problèmes dans la vie des enfants de Dieu. C'est Paul qui est en train de parler et il entend d'affirmer quelque chose. Il dit, avant que soit instauré le régime de la foi, nous étions emprisonnés par la loi sous sa surveillance dans l'attente du régime de la foi qui devrait être révélé. Et dans d'autres versions, on remarque que nous étions sous la garde de ce qu'on appelle la loi. Et la loi, on l'appelle même comme un pédagogue. Alléluia. Je ne vais pas revenir de tout ce qu'on a dit hier. Si vous voulez écouter le message, allez-y dans notre chaîne YouTube. Tapez simplement ECVV Nice. Et vous allez retrouver toutes les prédications. Alors hier, on a dit beaucoup de choses, bien-aimés dans le Seigneur. On doit servir Dieu. La loi et la grâce dans les sacerdoces. Quand on parle de la loi et la grâce dans les sacerdoces, on est en train de parler du service. Comment devrons-nous servir? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'enseignants de la parole, beaucoup des hommes de Dieu que nous sommes, il y a même des hommes de Dieu qui aillent plus loin en disant que nous ne sommes plus ces chrétiens-là de l'Ancien Testament. Il y a même des hommes de Dieu qui aillent loin en disant l'Ancien Testament, c'est des choses pour les Juifs, c'est passé. Aujourd'hui, nous, normalement, nous devons voir que le Nouveau Testament. Et Paul vient, il dit une chose. Il dit que cette période-là, ou cette temps-là de la loi, était comme pour nous, on était comme emprisonnés. Avant que la période, avant que la grâce arrive. Donc nous étions en prison pendant que la loi était là. Or, la loi... Si nous voyons bien la loi, elle est venue de qui? La loi, elle est venue de qui? Qui a donné la loi? Qui a amené la grâce? Mais moi, j'ai une critique qui dit que la loi est venue par Moïse. Alléluia. Ah, gloire à Dieu. Donc, nous allons comprendre que Moïse, ce n'est qu'un canal. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de personnes aillent même au-delà. Non, 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 la loi est venue par Moïse et la grâce est venue par Jésus. Nous, nous sommes de Jésus, donc Moïse, on le met un peu de côté. Non, bien-aimés, ce qui est important aujourd'hui, c'est comment servir. On a la loi, on a la grâce, parce que la loi n'est pas partie. Hier, on a vu une écriture dans le livre de Matthieu, chapitre 5. Et là-bas, c'est Jésus qui était en train de parler. Il dit que c'est lui qui enleverait même ne serait-ce qu'un « i », donc toutes ces écritures. Moi, je le déclasse. C'est lui qui voudra enlever la loi. C'est lui qui ne va plus obéir à la loi. Il n'est pas digne d'être un disciple. Alléluia. Amen. Donc, on va dire que la loi, elle est toujours là. Mais comment cette loi qu'on appelle un péché, elle doit toujours être là?
Comment cette loi qu'on dit que la loi c'était une période d'emprisonnement, donc nous sommes encore en prison? Si la loi est là, nous sommes toujours en prison. Alléluia. Beaucoup de choses ont été dites. Si je reviens là-dessus, je n'arriverai pas à avancer. Mais moi, je vais avancer. Allez-y dans notre chaîne. Vous trouverez ce qu'on avait dit hier. Pour finir, hier, bien-aimé, on avait lu le livre de 1 Corinthiens chapitre 7, 19. Et Matthieu 5, 18, 19 que je viens d'évoquer tout à l'heure. Mais laissez-moi vous dire, il y a toujours des contradictions. Et des contradictions, bien-aimé, à risque énorme aujourd'hui. Beaucoup d'hommes de Dieu se séparent. Beaucoup des églises ont fermé à cause des contradictions. Si nous voulons voir ces contradictions, c'est surtout parmi les prédicateurs. Moi, j'ai ce que j'ai. L'autre a ce qu'il a. Parce que simplement, on ne s'était pas mis d'accord. On peut même se séparer. Je dis bien, il y a des personnes qui se sont séparées. En oubliant que la Bible est claire en disant, s'il y a quelque chose qui ne va pas entre vous au point où vous êtes, marchez ensemble. Alléluia. Amen. Mais les prédicateurs, nous sommes tellement orgueilleux. Nous sommes tellement... nous ne voulons pas comprendre que l'autre peut avoir raison. C'est ça le mal des prédicateurs que nous sommes. De peur que non, si je dis que j'ai tort, on va voir que je n'ai pas un niveau. Non, ici, il n'y a pas question de niveau. Ici, il y a question, tout le monde, nous sommes serviteurs. Avant que tu sois prédicateur, tu es d'abord un frère. Tu es d'abord un serviteur. Alléluia. Ce n'est que la grâce de Dieu qui nous amène à pouvoir parler. Bien aimé, vous savez, s'il y a des personnes qui doivent parler de la Bible, peut-être c'est des personnes qui ont le bac plus 10. À un homme comme ça, bien aimé, si on lui donne la Bible, vous imaginez, je vais dire une chose. À un homme comme le président Macron, on lui donne la Bible pendant un mois. Il va les décortiquer. Parce que c'est un homme intelligent. Alléluia. Mais la Bible, ce n'est pas ça. La Bible, ce n'est pas l'intelligence. Il y a beaucoup de personnes qui ont l'intelligence, mais ils ont la capacité de capter des versets. Ils peuvent vous réciter des versets. Moi, je les appelle les récitateurs de la Bible. Mais il y a des hommes, bien aimés, ils n'ont qu'un verset, deux versets. Quand vous regardez la manière dont ils servent le Seigneur, vous allez comprendre que cet homme-là, il craint Dieu. Alléluia. Et c'est là où je vais amener l'Église. Nous sommes dans le service. Le service avec Dieu, bien aimé, c'est de comprendre. C'est d'abord d'avoir la crainte de son nom. C'est d'abord, bien aimé, d'avoir la crainte de la parole, la crainte des commandements de Dieu. Parce que quand on parle de la loi, j'aimerais bien t'expliquer une chose. Quand on parle de la loi peut être une période. La loi peut également être un commandement. La loi peut également être une alliance. Alléluia. On parle de la loi, mais quand Dieu parle de la loi, il est en train de parler d'une alliance. Quand Dieu parle de la loi, il est aussi en train de parler de commandement. Quand Dieu parle de la loi, il parle aussi d'une période. Maintenant, c'est à nous de comprendre. Or, je suis venu parler à un homme aujourd'hui, à une femme, de la loi comme un commandement. Alléluia. Comme une période, bien aimé, certes, cette période-là est passée. Parce que la Bible, il y a des versets qui le prouvent. Cette période-là de la loi est passée. Car la Bible, il y a beaucoup de versets, on peut donner des Corinthiens 5. On peut donner Hébreux chapitre 7. Quelqu'un qui vient en Christ, les choses anciennes sont passées. La période ancienne du péché est passée. Mais le commandement est toujours là. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton frère, à ta soeur, le commandement est toujours là? On doit servir Dieu avec crainte. Moi, je suis venu te pousser pour ne pas que tu puisses tomber dans la malédiction. Aujourd'hui, on est en train de voir beaucoup d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu, qui travaillent sans crainte dans la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. La loi et la grâce dans les services, si je peux même dire. Parce que les sacerdoces, c'est les services. Alléluia. La crainte de Dieu, la Bible dit dans le livre des Proverbes, c'est le commencement de quoi? Or, pour faire ce qui est sacré, pour faire la fonction qui est sacrée, il faut être sage. Il y a de ces choses, bien aimées, que les gens vont te voir comme si tu es un poltron, comme si tu es un nul. Mais quand tu as la sagesse avec Dieu, c'est là où Dieu va commencer à t'élever. Alléluia. Je parle
à tout le monde. Parce que je sais que quand on vient en Christ, quand on est appelé, quand on est élu, automatiquement vous êtes serviteur. Oh, est-ce que nous sommes là? Quand vous priez chez vous à la maison, cela veut dire que vous êtes serviteur, serviteur. Alléluia. Quand vous sortez de la maison et que vous avez 10 euros, vous donnez à quelqu'un dans la rue, vous êtes en train de servir Dieu. C'est important, bien aimé. Voilà pourquoi, n'attendez pas simplement un jour de venir ici, se lever ici pour commencer à parler, dire que c'est nous qui avons caricaturé cela. Quand un homme se lève ici, c'est lui-là qu'on appelle serviteur. Ah, ça dit mon serviteur de Dieu. Attendez, et celui qui est assis dans la chaise n'est pas serviteur ou servante? Alléluia. Oh, homme de Dieu, on a peur tellement de pasteur. Homme de Dieu, et toi, tu n'es pas un homme de Dieu? Tu n'es pas une femme de Dieu? On a pris ces mots-là, homme de Dieu, on l'a collé simplement au pasteur. Pourquoi? Parce que dans le temps, d'après la loi, la grâce était là, mais la grâce était donnée simplement aux individus. Ce n'était pas encore le fusion, ce n'était pas encore à tout le monde. La grâce était là parce qu'Abraham a reçu la grâce de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous le savons? Noé a reçu la grâce de Dieu. La Bible dit que Noé a reçu la faveur. La grâce est une faveur. Alléluia. Donc la grâce a été toujours là depuis le commencement. La loi aussi a été toujours là depuis le commencement. Alléluia. Les gens pensent que la loi est venue simplement quand Moïse était là. Non, la loi était là depuis le commencement parce que ce soit la grâce, que ce soit la loi, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est lui-même en fait. Depuis le commencement, il a été là. Maintenant, il attend une période. Bon, cette période, c'est la loi. Et cette période, c'est la grâce. Nous voulons servir Dieu. J'appelle à tout le monde qui foule ses pieds à l'église, à tout le monde qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, là où vous êtes dans vos maisons, sachez que tapez-vous la poitrine, disait, si vous avez la crainte de la parole, disait, je suis aussi serviteur de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire, je suis aussi serviteur de Dieu? Parce que nous pensons que serviteur, c'est simplement les pasteurs Samuel. Non, non, non. Il se pourrait que toi, tu as un don que Samuel n'a pas. Et c'est ce que nous oublions aujourd'hui. Et nous-mêmes, les pasteurs, nous oublions que quelqu'un peut être assis là. Dieu l'utilise puissamment que toi qui parles là. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu, ah, j'ai béni Dieu parce que l'apôtre est là, beaucoup d'hommes de Dieu n'arrivent pas à attendre. N'arrivent pas à attendre qui? Posez-moi la question, qui? Non, non, je vais essayer de répondre. Posez-moi la question, beaucoup d'hommes de Dieu n'arrivent pas à attendre qui? Qui? Non, posez encore, n'arrivent pas à attendre qui? N'arrivent pas à attendre qui? Les corbeaux. Non. Beaucoup d'hommes de Dieu n'arrivent pas à attendre les corbeaux. Élie était affamé. Il a fallu que les corbeaux viennent le nourrir. Il a attendu. Dieu lui a dit, tu attends, je vais envoyer le corbeau. Beaucoup d'hommes de Dieu n'attendent pas le corbeau. Qu'il y ait un moment précis que le corbeau va apporter la nourriture pour toi, pour que tu manges, pour que tu puisses avoir la force et que tu puisses t'élever et partir. Beaucoup de femmes de Dieu, nous n'arrivons pas à attendre le corbeau. Nous voulons faire des choses comme nous le voulons. Or, nous oublions que pour travailler dans la maison de Dieu, il faut d'abord discerner. Alléluia. Il faut d'abord l'humilité. Et il faut également, bien aimé, avoir la patience. Je suis venu parler à quelqu'un. Il faut avoir la patience. Tu peux être là, Sanata, c'est toi qui chantes mieux que tout le monde. Mais si le responsable du groupe te dit qu'aujourd'hui tu ne vas pas chanter, tu ne vas pas chanter. Et cela ne te permet pas de quitter l'église ou de quitter le groupe, non. Parce que la Bible dit, il faut obéir à qui? Alléluia. Servir Dieu, mais nous pensons que c'est simple, non. Servir Dieu, on doit mener et la loi et la grâce. Je parle de la loi comme un commandement. Je parle de la loi comme un commandement. J'ai défini hier la loi comme le sacerdoce lévitique et la grâce comme le sacerdoce royal. Parce que nous sommes en train de parler du sacerdoce. La loi vient de Moïse et la grâce vient de Jésus. Or, c'est par Moïse qu'il y a eu cette sacerdoce lévitique
Aaron et ses enfants, qui étaient les souverains sacrificateurs et les sacrificataires. Les sacerdotes de la famille, on avait expliqué ici, c'était les sacerdotes de la famille. Tu n'es pas dans la famille d'Aaron, tu ne pouvais pas te mettre là. Or aujourd'hui, nous avons les sacerdotes royales. 1 Pierre chapitre 2 verset 9, la Bible nous dit, vous êtes un sacerdoce royal. Donc nous pouvons opérer, même dans ta maison. Même si quand tu ne viens pas à l'église, tu peux opérer. Partout où tu es, bien-aimé, sache-le que tu as le mandat, tu peux opérer. Mais comment tu opères? Dans quelle dimension tu opères? Alléluia. Amen. J'ai dit ça à lui. Amen. On va prendre nos Bibles. Nous allons prendre le livre de Colossiens chapitre 2. Nous connaissons ces écritures. En ce qu'on peut lire Colossiens chapitre 2. Lisons simplement le verset 14. Colossiens 2, 14. Colossiens chapitre 2, verset 14. Il est écrit, car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu. Colossiens 2, 14. Colossiens. Ah, c'est Colossiens. 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 Colossiens chapitre 2, verset 14. J'ai lu ce qui suit. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Amen. Amen. On peut même s'arrêter là. Vous voyez, c'est le leitmotiv même depuis ce matin. On parle que qui pourra nous condamner. Et si Paul est en train d'affirmer, il dit, il a effacé, il a annulé l'acte qui établissait nos manquements. L'acte qui nous condamnait, Christ l'a effacé. À l'égard des commandements, oui, il l'a effacé. L'acte qui nous condamnait à l'égard des commandements. L'acte qui nous condamnait à l'égard de la loi. La Bible dit quoi? Christ l'a effacé. Alors, si l'acte qui nous condamnait à l'égard de la loi, Christ l'a effacé, pourquoi on doit obéir à la loi? Est-ce que quelqu'un peut se poser cette question? Ce sont des questions que moi je me pose. Christ a effacé l'acte qui nous condamnait, qui est à l'égard de la loi, des commandements. Christ l'a effacé. Mais si Christ l'a effacé, vivons, mangeons, parce que ça a été déjà effacé, n'est-ce pas? Non, bien-aimé, je suis venu parler à quelqu'un. Christ a effacé. Christ a en fait enlevé la condamnation. Comme l'a témoigné le pasteur Clément tout à l'heure. Christ a enlevé la condamnation. Quelle est cette condamnation? Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes se condamnent encore. Beaucoup de personnes qui travaillent, il est là en train de travailler, il travaille pour le Seigneur, mais dès qu'il fait quelque chose, il se condamne encore dans sa conscience. Non, je suis venu te parler. Quand tu es en Christ, ne te condamne plus. Parce que Christ ne te condamne plus. Alléluia. Mais cela ne veut pas te dire, cela ne te donne pas l'aval de continuer à vivre dans le péché. C'est là la clé en fait. Non, Christ a effacé l'acte qui nous condamnait. D'ailleurs, nous sommes en Jésus. Et si nous sommes en Jésus, rien ne pourra nous nuire. Non, bien-aimé, tu peux être en Jésus, mais tu vas directement aux enfers. Alléluia. Tu peux être en Jésus, mais être un menteur. À ce moment-là, bien-aimé, tu es condamnable. Mais si tu te répands, en fait, la différence entre les sacerdoces lévitiques et les sacerdoces royales, c'est que les sacerdoces lévitiques ou la loi condamnée, tu coupes l'oreille à l'ancien Alain, on te prend, on te fait quoi encore? On te coupe l'oreille. Basta, il n'y avait pas non. Voilà pourquoi on dit la grâce. Cela te donne, bien aimé. Non, regarde-nous en face. Non, je ne veux pas que personne, peut-être l'apôtre, lui il est juste. Mais moi j'ai un verset dans la Bible qui dit, personne n'est juste sur la terre. Amen. Alléluia. Amen.
Alors, parce que personne n'est juste, nous devons continuer dans le péché? Non. Voici la grâce. Donc la grâce, bien aimé, c'est cette dimension de travailler en ayant la force de te repentir. Alléluia. Quand on parle de la grâce, c'est la dimension de travailler, de craindre Dieu, de craindre la parole de Dieu en ayant la force de te repentir. Quand il y a quelque chose entre toi, Matthieu 18, on vient de le lire ce matin, avec ton frère, va voir ton frère face à face. N'attends pas d'abord que les autres viennent vous voir. Va voir ton frère, parle-lui. Frère, ce que tu m'as fait hier, je n'ai pas aimé. J'ai pas du tout aimé. C'est ça la grandeur, la puissance du service. Il y a des personnes qui travaillent dans le service. Il y a des personnes qui sont là aujourd'hui, enfants de Dieu, pasteurs, prédicateurs, apôtres. Je ne sais pas quel est le niveau encore le plus élevé. Archibishop, même si ça n'existe pas. Parce que dans la Bible, j'ai jamais vu cela. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que dans la Bible, archibishop n'existe pas? Parce que bishop, ça veut dire simplement ancien. Donc ancien, ça n'existe pas, j'ai jamais vu ça. Alléluia. Oh, général, je n'ai jamais vu cela. Non, moi je n'ai pas vu. J'ai vu seulement le général Naman. Mais en plus, il avait la lèpre. Alléluia. Bien aimé, la grâce c'est quoi? Comment on doit servir entre la loi et la grâce? On doit servir en ayant la crainte de la parole de Dieu. Et en ayant la capacité de se repentir. Si nous voulons que l'ensemble, l'église, je parle de cette assemblée d'abord, parce que je suis là, que l'église avance, on doit avoir la capacité de craindre d'abord la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Et laissez-moi vous dire, dans les jours à venir, Dieu m'a fait grâce, non pas parce que je suis grand, je ne connais d'abord pas beaucoup, mais le peu que je connais, il y aura des choses, parce qu'on est dans l'organisation. Non, on ne peut pas laisser n'importe qui travailler n'importe où. Non. Il y a une personne qui doit travailler à l'église. Bien aimé, on doit d'abord voir sa vie. On doit connaître d'où il vient. On doit connaître sa motivation. On doit connaître son amour avec le Seigneur. Or, aujourd'hui, je bénis Dieu, l'évangéliste nous a parlé ici. Aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? Quand on voit une personne qui vient, au bout de un mois ou au bout de deux semaines, Yondoboro Karabaraba Shika, Oyeke Beberebereba. Nous voyons bien, nous disons non, celui-là, certainement. Non. Il y a une personne qui doit servir. Je suis en train de te parler. Parce que tu es aussi serviteur servante. Tu dois regarder maintenant ta manière de te conduire. Comment tu t'es conduit en commençant chez toi à la maison? Comment tu t'es conduit avec ta femme si tu es marié? Comment tu te conduis avec ton mari? Comment tu te conduis avec ton mari? Tu es là, tu donnes des prophéties. Tu es là, tu parles en langue. Tu es là, je ne sais pas. C'est une grâce pour nous. Nous recevons. Mais comment toi tu te comportes dans ta maison? Comment tu te comportes au travail? Comment tu te comportes avec les autres? Bien aimé, quand le Seigneur nous regarde, il se croit que nous sommes en train de travailler. Mais Dieu ne voit pas notre travail. Alléluia. Ce n'est pas pour te faire peur. Je suis venu te parler clair et net pour que tu puisses changer la manière de travailler avec Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne changes pas ta manière de travailler, vous savez, tu peux prier, une personne est guérie, mais toi tu vas en enfer. Est-ce que vous le savez? Amen. Tu peux prophétiser, les choses arrivent, mais si toi-même tu ne marches pas comme il se doit, je suis venu parler à quelqu'un, changeons notre manière de marcher. Changeons notre manière de servir. Tu as un problème avec ton frère. Lève-toi. Lève-toi. Comment on verra la différence entre les gens qui travaillent avec Jésus? Vous savez, même dans le monde, les gens arrivent à se pardonner. Mais l'église qui est censée d'apporter le pardon, l'église n'arrive pas à pardonner. Comment c'est possible? L'église n'arrive pas à pardonner. Nous sommes les premiers à dire le pardon, c'est une force qui libère. Mais l'église, personnellement, n'arrive pas à pardonner. Incroyable. Nous voulons changer de posture. Nous voulons changer la manière de travailler. Moi, je bénis Dieu. Ici également, on a plus de deux personnes. Alléluia. Amen. Moi, je bénis déjà le Seigneur. On a plus de deux personnes. Je n'aimerais pas qu'on reste comme ça. Et l'église n'est pas caricaturée par le nombre, non. L'église, bien aimé, moi, mon souci est qu'un jour, nous puissions tous se retrouver au ciel. Amen. Amen.
Même si on va rester, je ne veux pas qu'on reste 10. Mais j'aimerais bien si on restait 10, que les 10 puissent être affermis dans la parole de Dieu. Amen. Que les 10 puissent être capables de défendre l'évangile. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut défendre l'évangile? Amen. Plus personne ne parle de Dieu dans la rue. Dans notre travail, est-ce que nous parlons de Dieu? Nous attendons les dimanches pour écouter un verset. Dans notre maison, est-ce que nous lisons la parole de Dieu? Et tu dis, tu es serviteur, servante. Oh, est-ce que nous sommes là? Amen. Ne pensez pas que je suis en colère. L'apôtre pense que je suis en colère. Non, je ne suis pas en colère. Non. Mais seulement, mais moi, la Bible me dit, le Seigneur me dit une chose. Nous voulons travailler avec lui. Il faut d'abord que nous soyons des faibles. Alléluia. Amen. Tu veux travailler avec Dieu, il faut que tu sois faible. Nous allons prendre une écriture bien aimée dans le livre de... Allons-y, dans le livre de Matthieu, chapitre 23. 1 à 4. Écrivez si vous pouvez écrire, je n'ai pas cette force-là. Matthieu, chapitre 23. 1 à 4. Verset 1 au verset 4. Alléluia. Je lis ce qui suit. Mm. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Alléluia. Car ils disent et ne le font pas. Verset 4, il lit le fardeau pesant et les mettre sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Parole du Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire encore le livre de Romains, chapitre 2, 17? Romains, chapitre 2. À partir du verset 17. Romains, chapitre 2, à partir du verset 17. Je lis ce qui suit. Toi qui te donnes le nom des Juifs. Toi qui te donnes le nom des Juifs. Qui te repose sur la loi. Qui te repose sur la loi? Qui te glorifie de Dieu? Qui te glorifie de Dieu? Qui connaît sa volonté? Qui connaît sa volonté? Qui apprécie les différences des choses et Alléluia. Donc instruit par la loi? Mm. Toi qui te flatte d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, Alléluia. Le docteur des insensés, les maîtres des ignorants, parce que tu as dans la loi les règles de la science et de la vérité. Alléluia. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Oh Yahweh. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Alléluia. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Alléluia. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Alléluia. On peut même s'arrêter là. À la maison, lisez juste au verset 29 ou 30. Mais il y a un problème qui se pose aujourd'hui dans nos ensembles. Et ce problème est tellement grand et est tellement récurrent. Aujourd'hui, beaucoup de connivence, beaucoup de contradictions par rapport à la loi et à la grâce. Des choses qui ont été dites à la loi, des choses, mais la Bible ici nous dit une chose. Dans la loi, il y a des règles. Ce n'est pas moi, on vient de les lire tout à l'heure. Dans la loi, il y a quoi? Est-ce que nous sommes là? Dans la loi, il y a quoi? Il y a des règles. Et ces règles, la Bible aimée, ont été donnés par rapport de foi à la période. Mais la loi, elle est toujours la même. Qu'est-ce qui fait problème aujourd'hui dans nos assemblées? Nous n'arrivons pas à bien servir. Il y a même entre le collège de foi des prédicateurs, il y a même des différences au point de vue de la parole, au point de vue doctrinal. Or, mais quand nous regardons la loi, la Bible dit une chose, que c'était cette manière dont le peuple d'Israël, dans la loi, il y avait ce qu'on appelait des rituels. J'aimerais bien que tu soulignes, des rituels.
Mais quand vous regardez les 10 commandements que Dieu a donnés, dans les 10 commandements, il n'y a pas de rituel. Alléluia. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force. Il est où le rituel? Tu ne voleras pas. Il est où le rituel? Il n'y a pas de rituel. Mais dans d'autres préceptes, par rapport à la loi, Dieu a donné des rituels. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que la loi, c'était l'ombre des choses à venir. C'était tellement physique. Moïse, quand il est monté là au ciel, Dieu lui montre. Il lui dit, voici comment tu vas construire le tabernacle. Moïse a certainement vu un modèle au ciel. Mais comme il devrait descendre sur la terre, il devait en prendre les éléments qui se trouvent sur la terre pour essayer de démontrer les réalités spirituelles. En fait, le tabernacle qu'on appelle la loi, le tabernacle, on peut l'appeler aussi la loi. Parce que c'était la loi que Dieu a donnée, la manière dont Dieu a donné pour qu'on puisse lui servir. Il y avait des rituels. Il y avait l'homme de Dieu ou le sacrificateur quand il venait, des fois pour bénir, il prend l'hysope, il trempe peut-être dans le sang, il fait des signes. Il fait 2-3 signes. Et aujourd'hui, nous le voyons encore. Il y a encore d'autres congrégations qui ont des rituels. Vous êtes en train de passer, il prend de l'eau, il met dans un truc. Ce n'est que des rituels. Alléluia. Amen. Mais Dieu veut que son peuple soit béni. Alléluia. Amen. Donc quand la grâce vient, on ne nous demande pas d'avoir encore tous ces rituels. Parce que c'était l'ombre des choses à venir. La loi était un pédagogue. Or, un pédagogue, c'est quoi? Un pédagogue, c'est celui qui est là pour apporter l'enseignement aux autres. Amen, amen. D'après les Grecs et les Romains, le pédagogue, c'était des esclaves, en fait. C'était des esclaves qui étaient au service des enfants, des gens de bonne valeur, pour leur enseigner la manière de vivre, le moral. Et la manière comment il devrait se comporter. Avant qu'un enfant du roi puisse sortir, il fallait un tuteur. C'est ce qu'on appelait les pédagogues en fait. Il fallait un tuteur qui lui dise, oh, toi tu es un enfant de Macron, quand tu vas sortir, écoute, il ne faut pas prendre la moto. Parce que si on te voit sur la moto, ça déshonore ton père. Et c'était le rôle de pédagogue en fait. Le pédagogue était là pour garder. Comme on nous dit, la loi était là pour nous garder, il nous enfermait. Non pas pour nous enfermer dans le péché, mais la loi était là pour nous donner la force. Et la Bible dit dans le livre, chapitre 4, aussi longtemps, un héritier restera qui? Un enfant. Il ne diffère pas à qui? Un esclave. En fait, c'est ça en fait. Or, quand l'héritier maintenant a sa majorité, il fait quoi? Il peut jouir, n'est-ce pas? La loi nous garder comme des enfants. Quand tu es un enfant, cela veut dire que tu es encore celui qui vit dans le péché. Alléluia. Donc quand on parle de la loi, on parle du stade de l'enfance. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas que les gens restent des enfants. Nous sommes en train de servir dans la maison de Dieu, mais nous sommes encore des enfants. À moins d'un coup, on te fait quelque chose, tu vas aller pleurer, tu vas aller même critiquer les pasteurs. Vous avez vu cet homme-là? Vous avez vu cet... Non, tu n'es plus un enfant. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton frère, tu n'es plus un enfant? En fait, c'est ça la grâce. J'ai ma fille, dans quelques jours, elle aura ses 18 ans. Ce matin, on venait à l'église. Je lui dis, mais pourquoi cet été, tu ne vas pas travailler? Il me dit, papa, je ne peux pas. Je lui dis, mais attends, pourquoi tu ne peux pas? Il me dit, parce qu'on me considère encore comme un mineur. Si je vais travailler, on va me payer comme un mineur. Même s'il fait 8 heures, mais on va la payer comme un mineur. À vous, ça, moi, je ne savais pas. C'est la loi. Mais Dieu faisant grâce, le mois de juillet, je lui dis, mais dans quelques jours, amen, quand tu auras tes 18 ans, tu sors de ce système. Alléluia. C'est ce que je suis venu parler. On doit sortir de ce système-là. Cela ne veut pas dire que tu n'es plus un enfant. Elle est là, ma fille, tu es toujours mon enfant. Est-ce que nous comprenons? Cela ne veut pas dire que la loi n'est plus là. La loi est toujours là. Tu dois obéir à tes conducteurs. Tu dois obéir à tes conducteurs. Tu dois obéir à celui qui t'encadre. Tu dois obéir. Mais néanmoins, tu es maintenant mature d'avoir la capacité de te lever toi-même à la maison, de prier. De te lever et d'aller voir même ton conducteur lui dire, oh conducteur, regarde-moi.
Ce que tu as fait là hier, ce n'est pas bon. Parce que les conducteurs aussi peuvent se tromper. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Mais c'est ce qui nous manque aujourd'hui dans nos assemblées. Nous servons l'Éternel avec des mauvais pressentiments. Tu peux venir là même, tu sers, mais dans ton cœur, tu as un problème avec ton frère. Oh, bien aimé frère, sœur, quand le Seigneur te regarde, il ne te voit pas. Certes, aujourd'hui, nous voulons, quand nous venons à l'église, tu seras béni. Reçois. Non, ce matin, tu ne reçois pas. Ce matin, tu dois servir Dieu avec la crainte. Alléluia. Quand tu sers Dieu avec crainte, Dieu, tu n'as même pas besoin de recevoir. Il lui-même va commencer à te donner. Frère, continue à servir Dieu avec crainte. Tu n'as pas demandé l'argent. Mais tu rentres, quelqu'un a pensé déjà à toi. Tiens, 700 euros. Frère, tu me donneras une partie. Hein. C'est aujourd'hui, bien aimé, on te donne 700. Mais bien aimé, c'est non. Qui, en dehors de notre Dieu, peut faire cela? Amen. Servons Dieu avec crainte. Amen. Alléluia. Amen. Servons Dieu avec crainte. Tu peux avoir les dons, mais tu vas en enfer avec ton don. Amen. Tu vas en enfer. Tu vas avoir la capacité. Tu peux même être la personne, quand tout le monde te voit, tu dis, ah, celui-là, certainement. Mais aujourd'hui, laissez-moi vous dire, il y a des certainement aujourd'hui dans nos églises. Samuel, il rentre dans la maison d'Isaïe. Il a vu Eliab, il dit, certainement. Parce qu'Eliab était costaud, il était grand, il était fort. Il dit, les rois, ça doit être lui. Non, Samuel regarde avec ses yeux. Dieu lui dit, non, c'est pas Eliab. Ce n'est pas lui. Voilà pourquoi l'autre fois, j'étais là devant le coup. J'ai dit, quand vous êtes à la maison, je demande une prière à tout le monde. Priez pour moi. Demandez, Seigneur, qui est cet homme qui se tient au devant de nous? Je vous l'autorise. Si vous ne le faites pas, faites-le tous les jours. Quand vous rentrez à la maison, demandez tous les jours, dites, Seigneur, cet homme qui se tient au devant de nous, qui il est? Vous devriez le connaître, bien-aimé. Vous devriez demander à Dieu de vous ouvrir les yeux qui je suis réellement. Et si j'ai des défauts, dans ces défauts-là, viens me les dire, ne les cache pas. Ne va pas aller colporter, ne va pas aller parler en dehors, non. Si tu vois les défauts derrière ton frère, ne les colporte pas, va les voir. Amen. Alléluia. Pourquoi l'Église est amenée aujourd'hui dans une dimension, on sert le Seigneur, mais on ne sait même pas comment on sert le Seigneur. Pourquoi? Notre force réside dans le service. Amen. Alléluia. Amen. Notre force réside dans le service. Quand tu donnes à Dieu, il te sera donné. Amen. Parce que nous pensons simplement servir Dieu, c'est venir prêcher. Commence déjà à donner. Quand je vais sortir d'ici là, prépare une enveloppe, donne au pasteur. Et là, tout le monde me regarde. Amen. Et là, tout le monde me regarde. Hein. Amen. Bien aimés frères, je vous dis une chose. Commençons. Vous savez, 2 minutes, parenthèse. On était, quand l'église était encore au moulin, un jour, on avait un homme de Dieu, éloquent, un homme de Dieu, vraiment, quand il prêchait la parole, il avait cette aura. Mais il y avait un frère qui a remarqué que cet homme-là, jamais il donnait l'offrande. Jamais il donnait l'offrande. Mais jamais. Et un jour, le frère, le pasteur, est venu nous voir à la maison, il dit, ben, est-ce que vous pouvez me dire quoi que ce soit, qu'est-ce que vous me reprochez? J'ai eu honte ce jour-là. Et le frère, comme lui, il avait la langue, il n'avait pas la manière de parler. Il dit, pasteur, moi j'ai une chose à te demander. Pourquoi, quand tout le monde donne les offrandes, toi tu ne donnes jamais? Devant tout le monde. Il dit, moi ce que j'ai remarqué, toi, tu ne donnes jamais l'offrande. Et le pasteur n'avait même pas un mot à répondre. Il dit, ah bon? Il dit, mais oui, mais prouve-le-moi parce que tu ne donnes jamais l'offrande. Alléluia. Beaucoup de personnes pensent, ou beaucoup de pasteurs pensent qu'il n'y a que les fidèles qui doivent donner l'offrande. Non. Aussi longtemps que toi, les corbeaux, ne t'as pas encore apporté à manger, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de pasteurs ne veulent pas attendre le corbeau. Attends, Ricard, attends le corbeau. Dis à ton frère, attends le corbeau. Si le corbeau n'est pas encore passé, pasteur, va travailler pour que tu gagnes de l'argent. Amen. Beaucoup des hommes de Dieu aujourd'hui ont touché même au fétiche parce qu'ils veulent être comme les autres. Ils veulent avoir l'argent comme les autres.
Et quand, dans une église pareille, quand vous allez sortir 120 euros d'offrande, bon, pasteur, tu dois payer 700 euros de maison, tu vas faire quoi? Va travailler. Amen. Va travailler. Amen. Alléluia. Amen. Oh, va travailler, parce que sinon, tu vas toucher au fétiche pour que les gens viennent beaucoup. Sinon, tu vas commencer à être en colère quand les gens vont donner les offrandes, la dîme. Alors, c'est seulement ça que vous donnez à Dieu. Vous savez, il y a des hommes comme ça. Dieu va vous maudire. Dieu... Non, Dieu ne maudit personne. Dieu regarde même le cœur. Ce jour-là, il regarde la femme qui a mis simplement des pièces. Il dit, dans tout ce que vous avez donné, voici celle qui a donné plus, celle-là. Ah, moi j'ai donné 1000. Une personne peut donner 1000 euros, mais il donne en dépassement de son budget, en fait. Il ne donne pas quelque chose qui lui touche. Il y a beaucoup de... Je viens parler des services, parce que des jours à venir, on va parler de l'argent, on va parler de vêtements, on va parler de ces choses-là pour servir Dieu. On va parler d'abord du comportement. On va parler d'y donner. Beaucoup des hommes de Dieu, vous allez lui poser la question, mais homme de Dieu, toi tu ne donnes pas ta dîme. Non, la dîme c'était la loi. Et, il y a des débats aujourd'hui. Il y a des débats. Moi, il y a mon frère qui est là, mon frère Lida. Un jour il est monté à Paris pour aller débattre avec un homme de Dieu. Gloire à Dieu, aujourd'hui cet homme-là, on ne l'entend plus parler. On n'entend plus parler. Mais cet homme-là a drainé des foules. Cet homme-là prêchait des choses. Non, les églises ne sont plus. Il ne faut plus aller aux églises. Jamais. Ce n'est pas des bâtiments. Dit à l'ange de l'église de Smyrne. On parlait à qui? On parlait à une église, non? Dit à l'ange de l'église de la Philadelphie. On parlait à qui? Mais comment ça se fait aujourd'hui qu'on va nous dire des bobards que l'église n'existe plus? Parce que les gens n'ont pas compris ce qui est des rituels, je reviens dans mon message, il y a ce qu'on appelle des rituels et ce qui est du commandement. Amen, amen. Amen. Maintenant, comment servir Dieu? Parce que dans l'Ancien Testament, il y a des rituels. Allez-y à la maison, lisez Lévitique 13, 14, 15, 16, jusqu'à 19. Notez cela, allez-y lire, c'est un devoir. Quand vous allez lire cela, vous allez comprendre que il y a un petit souci. Mais moi, laissez-moi vous dire, il n'y a pas de souci. Alléluia. Là-bas, on nous dit une femme. Hier, c'est cette question qui m'a été posée. C'est dommage, la sœur n'est pas là. Comment faire aujourd'hui? Parce que, pasteur, si tu nous dis que la loi est toujours là, mais la loi dit qu'une femme, quand elle est dans sa période de menstruation, elle ne peut pas être, elle ne peut pas venir à l'église. Effectivement, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Quand vous lisez dans le livre de Lévitique, chapitre 14, vous, 13, 14, vous le trouvez. La loi dit, si quelqu'un a la lèpre, il ne peut pas rentrer dans le milieu là où on adore Dieu. Comment nous allons faire? Comment le savoir? Or, ce n'était pas des choses qui est palpable que Christ cherchait. Christ cherche d'abord ce qui est spirituel. Alléluia. Tu peux être malade, viens à l'église. D'ailleurs, c'est ici que tu vas être guéri. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi on ne peut plus retourner dans cette période-là? Parce que c'était des exemples, parce que c'était des rituels qu'aujourd'hui, la grâce a apporté la solution. La grâce a apporté l'interprétation de cela. Quand on parlait de la lèpre, on parlait de la souillure. Or, quand on parle de la souillure, on parle du péché. On ne parle pas de la lèpre physique, mais avant on parlait de la lèpre physique pour montrer que quelqu'un qui est impur physiquement, cela veut dire quoi? Il n'est pas digne d'être au milieu des hommes. Or aujourd'hui, bien aimé, quand Christ est venu, il a dit, moi je cherche les vrais adorateurs. Alléluia. Amen. Je cherche qui? Les vrais adorateurs. Donc en quelque sorte, Christ est en train de chercher les vrais serviteurs. Qui sont ces vrais serviteurs? Ceux qui adorent en esprit et en... Donc si mon frère a la main coupée, parce qu'il est, on appelle strophié, hein, c'est ça, en mot français. Manchot. Donc normalement, il ne doit pas rentrer dans cette salle. Parce qu'il a un membre
qui est en moi. Or, quand Christ, quand Dieu a donné la loi avec des rituels, c'était pour nous montrer des choses. Il y a des choses dans la loi qui doivent être expliquées. Il y a des choses dans la loi qui doivent être expliquées parce que c'était l'ombre des choses à venir. C'était pour nous montrer que non, ce n'est pas la lèpre de la peau, mais c'est le souillir du corps, c'est le souillir qui suit l'âme et l'esprit. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Ne te culpabilise plus. Ne te culpabilise. Parce qu'il y a le sang qui a été versé. Le sang de Jésus est venu accomplir tout cela. Parce que personne ne pouvait accomplir cela. Voilà pourquoi on dit que le sacerdoce a changé. Parce que d'ailleurs, en lui-même, le sacerdoce, c'était par rapport à l'ordre d'Aaron et ses enfants. Mais il y avait un qui était venu selon l'ordre de Melchisédek. Donc ça ne dépendait plus de la famille. C'était déjà un changement. Alléluia. Hébreux chapitre 7. Lisez tous les chapitres à la maison. Il devrait avoir un changement parce que le souverain sacrificateur qui était rentré, ce n'était pas dans l'ordre de Lévi. Il était de Juda. Donc du coup, quand il y avait changement des souverains sacrificateurs, tout a changé. Les rituels ne sont plus les mêmes. On n'est plus la même à amener des moutons, à amener des chèvres, à amener... Parce que la Bible dit une chose. Il dit, là où il y a déjà le pardon du péché, il n'y a plus de sacrifice à donner. Est-ce que vous le savez? Là où il y a le pardon du péché, il n'y a plus à amener des moutons. Pourquoi? Parce que le pardon est déjà là. Quand le pardon est déjà là, il n'y a plus que toi tu viens encore amener un sacrifice. Non. Ton rôle, mon rôle aujourd'hui, c'est de te repentir. Alléluia. Quand tu comprends que tu as fauté, quand tu comprends que tu ne marches pas bien, ton rôle, c'est de te repentir. Alors regarde ton frère ou ta sœur. Dis-lui simplement, repens-toi. Pour servir Dieu, pour bien servir Dieu, la première des choses, c'est la repentance. Alléluia. La repentance. Alors, la repentance, c'est quoi, bien-aimé? Nous pensons à la repentance, c'est simplement demander pardon. Oui, c'est une bonne chose. Mais la repentance, c'est au-delà de cela. La repentance, c'est même la manière dont tu es en train de vivre. Si avant, tu étais alcoolique, il faut que tu abandonnes l'alcool. C'est la repentance. Il y a des personnes qui sont là, ils viennent à l'église, mais le soir, il est dans la boîte de nuit. Personne ne va te l'interdire. Mais répands-toi. Parce que ce n'est pas un bon endroit pour toi. Alléluia. Il y a des personnes même qui servent Dieu. Mais en négligeant tout. Ils viennent quand ils veulent. À l'heure qu'ils viennent. Comme ils veulent. Non, répands-toi. Répands-toi. On ne peut pas servir Dieu de telle manière. On ne peut pas servir Dieu comme on veut. On doit servir Dieu par rapport aux préceptes, par rapport, vous savez, aujourd'hui, je vais finir par là, dans chaque assemblée, il y a de ce qu'on appelle des règlements, des règles, parce que la loi, il y a des règles. Qui que tu sois, si tu arrives quelque part, même si tu es le plus haut, même si tu as la plus haute révélation, quand tu arrives quelque part, je suis venu parler à quelqu'un, tu arrives quelque part, commence d'abord à suivre comment les gens sont en train de marcher. Essaie déjà de voir. Si tu vois que par rapport à la parole de Dieu, ils ne sont pas dans la ligne, sors tranquillement. Mais ne fais pas semblant. Ne sois pas hypocrite. Alléluia. Avant de sortir, viens voir l'homme qui conduit. Dit, écoute, moi la parole de Dieu me dit ça. Ça, 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 ça. Est-ce qu'on peut en discuter? Si vous discutez, vous trouvez un compromis. Parce qu'il n'y a personne qui connaît au-delà de tous. Non. Alléluia. Amen. Donc ce matin, j'aimerais bien avoir des serviteurs et des servantes efficaces. Maintenant, commence à te regarder. Comment tu sers Dieu? Dans quel état tu sers Dieu? Le monde dit, quel est ton état d'âme? Dans quel état tu sers Dieu? J'aimerais bien que tu puisses avoir la bénédiction.
J'aimerais bien, bien-aimé, que tu puisses jouir des promesses de Dieu, mais en étant un serviteur, un servante efficace. Parce qu'il y a des saintes bénédictions, bien-aimé, qui ne viennent que quand on sert. Quand on, bien-aimé, quand on sert. L'autre fois, j'avais dit, quand on va au travail, quelle est la valeur du travail? La valeur du travail, quand vous arrivez à la fin du mois, vous êtes payé à 2000 euros. Là, vous allez voir la valeur de votre travail. Mais quand vous êtes en train de travailler, vous faites ça. Des fois même, vous parlez, enfant de Dieu, mais vous allez voir comment les enfants de Dieu parlent au travail. Suivez, un jour, faites un peu le tour dans le chantier là où je travaille. Et un jour, c'est un païen qui m'a reproché. Ah, pasteur, toi aussi tu parles comme ça. Ah, je regarde, je dis, waouh. Aïe, 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 il sait. Hein. Quand nous sommes au chantier, c'est pour cela que c'est difficile. Quand nous sommes ensemble avec des hommes, si tu n'es pas bien affermi, tu peux même tomber. Demandez à les personnes qui travaillent au chantier. Il y a des mots d'oiseaux, il y a des ces termes qui passent là-bas dans le chantier. Et toi et moi, chrétiens, des fois, nous sommes embarqués à cela. Je te demande de changer le travail. Alléluia. Il faut que les gens voient la différence. Il faut que les gens voient quoi? La différence. C'est ça la manière de travailler. C'est ça être un bon disciple. Plaise à Dieu. Là, je suis venu simplement te booster. La loi, il y a des rituels. Il y a de ces rituels-là qui, aujourd'hui, ils n'y sont plus. Mais la loi en elle-même existe. Tu vas honorer ton père et ta mère. Ça existe. Elle n'est pas passée. Tu ne voleras pas. Ça existe. Tu obéiras à tes conducteurs. Ça existe. Tu obéiras même à tes enfants. Parce que nous pensons simplement que il n'y a que les enfants qui doivent obéir à leurs parents. On dit, non, c'est même pas, c'est beaucoup plus grave. On dit que les parents ne font pas quoi? N'héritent pas quoi? Quelqu'un qui n'obéit pas, quelqu'un qui hérite l'autre. Qui est dans la faute? Irriter quelqu'un, cela veut dire quoi? C'est lui pousser à faire des fautes. C'est l'amener à être en colère. Les parents, est-ce que vous êtes là? Les parents commencent à me regarder. Moi-même aussi. Il ne faut pas irriter les enfants. Donc, les parents doivent faire un effort pour que les enfants ne soient pas en colère. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Et vous les parents, quand les parents font l'effort, vous maintenant commencez à obéir les parents. Amen, amen. Amen. Nous allons nous lever. J'aimerais bien que tu retiennes dans ton cœur. Il y a de ces choses qui restent. Il y a de ces choses, bien-aimés, qui n'ont été que des rites. Si demain, après-demain, vous allez voir que non, mais pasteur, dans l'Ancien Testament, on faisait ça, pourquoi chez nous, on ne fait pas ça? Ce n'était que des rites. Il faut donner une explication. Alléluia. Parce qu'à chaque rite, il faut donner une explication. Il faut donner la révélation de ces rites-là. C'est comme un langage de sourd, par des signes. Si un sourd parle par des signes, il faut que quelqu'un qui connaisse ce langage pour le révéler. Alléluia. Amen. Et la loi, c'était un langage de sourd. Et aujourd'hui, elle est révélée par Jésus-Christ de Nazareth. Je demande à l'Église de lever la main. Chacun va prier parce que tout le monde est serviteur, tout le monde est servante. Il se pourrait que tu as pris une décision de ne plus servir. Et c'est pourrait que tu as pris une décision de quitter l'église. Et c'est pourrait que tu as pris une décision de ne plus venir à l'église. Tu es resté chez toi à la maison des années. Je te demande de pardonner. Car le pardon, c'est une force. C'est le début. C'est la grande force. Je te demande de pardonner ton frère. Je te demande de pardonner ta soeur. Je te demande de te repentir même. Parce qu'ensemble, bien-aimés, nous vaincrons. Ensemble, bien-aimés, nous ferons des exploits. Dieu seul nous connaît. Nous voulons que cet ensemble, jamais vérité vie, que les hommes et femmes servent, mais qu'ils servent avec foi, avec crainte, parce que la foi doit être accompagnée avec la crainte de Dieu.
On ne peut pas parler de la foi sans la crainte de Dieu. Tu chantes, il faut que tu aies cette capacité d'avoir la crainte de Dieu. Tu pries, il faut que tu aies la capacité d'avoir la crainte de Dieu. Tu prophétises, il faut que tu aies la capacité d'avoir la crainte de Dieu. Tu es qu'un fidèle, il faut que tu aies la capacité de craindre Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des hommes et femmes qui craignent l'Éternel? Ou c'est moi, nous voyons notre honneur. Ton honneur, mets-le de côté. Nous voulons des hommes et des femmes. Nous devons tous mettre notre honneur de côté. Nous voulons des hommes et femmes qui sont humbles. L'humilité précède la gloire. Nous allons lever nos mains. Nous allons prier à Dieu que le Seigneur, c'est lui qui donne les capacités, l'être et le mouvement. Qu'il puisse nous conduire dans notre marche sur la terre. Dans notre service que nous sommes en train de faire. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et prier ?